Non, fiston, non. Allez, mes chers amis, je suis chez mon père. Vous autres des réseaux sociaux, certains m'ont demandé qui est Jalal Ilon. Mais Jalal Ilon, c'est lui. Regardez ce monsieur-là. Mais il n'a pas besoin, non, il n'a pas besoin d'arranger sa chemise. C'est l'un des sommets de la musique patriotique camerounaise. Je vous salue. Vous êtes 70 personnes déjà en direct. Et ici, ça, celui que vous voyez là, c'est lui que j'appelle Jalal Ilon. C'est lui qui a chanté Man, passe man. Man, passe man. Vous êtes combien là? 300 personnes en direct? Et là, c'est le scoop du soir. Regardez, voilà mon doyen, mon bien-aimé, l'homme de Mars, un grand Africain, un grand Camerounais et un patriarche de la ville de Rouen. 71 ans, bien posé. C'est Jalal Ilon, c'est lui qui a chanté « Man, pass man ». Man pass man, oh man pass man, man pass man, brother one year. Man pass man, man pass man, oh man pass man, man pass man, brother one year. C'est lui, Jalal Ilon. Voilà les grands Camerounais que le Cameroun ignore. Le Cameroun est tombé parce que ses grands-fils sont dans l'oubli. Un pays qui n'a plus de mémoire est une nation à la dérive. C'est lui, c'est lui. Quand je joue Jalal Ilon, on recommence. Man, pass man. Man, pass man. Oh, man, pass man. Man, pass man, brother one year. Man. Man pass man, oh man pass man, man pass man, brother one day. Man pass man for your people, I am with for now you. Man pass man, in my teacher. Yeah, jala lino, jala yo merelini, jala. Mes chers amis, certains d'entre vous ont pensé que l'auteur de cette chanson profonde, vibrante, qui fait aujourd'hui remuer l'Afrique, n'était plus de ce monde. C'est un homme modeste, humble, mais profond et déterminé, un amoureux de l'Afrique. C'est lui qui a fait cette chanson. Man, pass man. Man, pass man. Oh, man, pass man. Man, pass man, brother, one day. Voilà, je l'ai promis à beaucoup d'entre vous. Ils m'ont dit, Jalal Ilon, mais attendez, c'est un musicien des années 50, on ne l'a plus jamais revu. Eh bien, c'est un musicien de 2023. À 71 ans, il est encore utile pour le Cameroun et pour l'Afrique. C'est mon doyen. C'est lui qui m'a installé dans la ville de Rouen, au cœur de la Normandie. C'est une mémoire de cette ville que je vous présente ce soir. Et vous aurez des entretiens sur l'histoire de la résistance africaine et de la résistance camerounaise avec lui. Il y a de grands Africains. Ne perdez pas espoir et surtout pas espérance. Ah, ah bon ballon, yem. La 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 la. Vous êtes 500 personnes en direct. La 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 la. C'est Yves Beng, Jalal Ilon pour les connaisseurs. Tamalou Lolon Nissan Mangwam. Eh, Ataman. Nougoul ni yombi. Alain Déri. Et...
Voilà. Mes chers amis, c'était la surprise du soir. Je voulais vous présenter Jala Lilong. Yves Beng, professeur de mathématiques, auteur, compositeur, grand militant de l'indépendance africaine. Fils du Cameroun, fils de l'Afrique. Non, il n'est pas des années 50, 60. Il est du 21e siècle. Et nous aurons des entretiens dans les prochaines semaines sur l'histoire des 30 dernières années du peuple africain et du peuple camerounais avec lui. Alors, wallahi billahi taala, wallahi, vous allez comprendre. Hein? Ça va chauffer, hein? C'est Lénine. Je veux juste dire un petit mot. Vas-y, mon. Parce que mon fils Franklin Nyamsi. Toujours. M'honore d'une dimension que je ne mérite pas. Ils sont 500 en direct. Je suis très content du travail de conscientisation qu'il effectue. Rien n'est jamais parfait, mais il n'a jamais ménagé son temps pour essayer de conscientiser les Africains par rapport aux enjeux majeurs de l'époque qui est devant nous. Je voudrais, au moment de nous séparer, et pour le remercier pour tout ce travail et l'espèce d'expansion qu'il accorde à ma modeste musique qui sans doute... Une musique trois fois décennaire. Faire quelques petites notes en rapport avec Kolwezi. Kolwezi, l'Afrique du Sud. Au moment où on harcèle l'Afrique du Sud parce qu'elle aurait aidé la Russie. La ville blanche était belle. Ils sont partis des mines et vivre un instant le rêve. Souviens-toi, souviens-toi, mon frère, souviens-toi, souviens-toi. C'était des fils d'esclaves. Aux chômeurs qui croyaient voir vivre leurs mots de sang. Ces mots hier que mon peuple clamait, appelant le matin, le matin. Oh, que vive son chant, que vive son chant. Allez, papa tout, et... Mourir à Kolwezi, mourir les yeux ouverts, mourir à Kolwezi, bourgeon de ma terre, mourir à Kolwezi, mourir à Kolwezi, mourir à Kolwezi, comme un soleil se couche, mourir à Kolwezi, Adeko Africa, Asta for life, Africa. Voilà. Allez. Eh bien, mes chers amis, c'était la surprise du soir. Je tenais à vous présenter. Vous entendez souvent Jala Lilong, Yves Beng, celui qui a chanté Man, passe, man. C'est lui. C'est lui. C'est lui. L'Afrique est vivante. L'Afrique vaincra. Je vous remercie. Allez, bonne soirée. Vive le panafricanisme. Toujours. Merci, merci. Merci. Alors, il y avait du beau monde autour, hein, mais je n'ai pas demandé l'autorisation de filmer. Donc, je me limite à mon doyen bien-aimé et à moi. Mais je peux vous dire, la performance n'a échappé à personne. C'était un moment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.